twee jaar thuismatchen spelen in het Koning Boudewijnstadion keert Union terug naar eigen grond. De renovatie van het stadion in het Dudepark was noodzakelijk om de huidige normen van het profvoetbal te halen. De laatste echte thuiswedstrijd van het stamnummer 10 ligt nog vers in het geheugen. Oui, contre l'Antwerpen. Le sauvetage est grosse fête, beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde. Drôle de temps. Chaud, puis grêle, puis la fête, donc c'était pas mal. Ouais. Ouais, on l'oublie pas. Je pense que tout le monde, tous les supporters, sont heureux de revenir. Deux ans hors du stade, c'est long parce qu'au final, tu joues tes matchs en déplacement en fait. Moi, je suis arrivé ici fin des années 90, quand on est monté en division 2. Il y avait encore la possibilité de se mettre derrière le goal. Et au fil des années, on a vu les deux virages devenir un petit parc, quoi, un petit bois. Et c'est vrai qu'il y avait besoin d'un petit lifting. Non, je pense que c'était bien fait. Et je pense qu'on va être bien ici. De spelers zullen snel hun draai moeten vinden, want Union wil sterk starten in het eigen stadion. Je crois le dernier à avoir joué dans ce stade à l'heure actuelle, donc je suis très fier de ça et j'espère que ça va encore continuer longtemps parce que c'est l'Union Saint-Gilloise, c'est le club qui m'a permis d'évoluer au niveau professionnel et ça me tient fort à cœur. Je le sens jaune et bleu comme on dit et donc voilà, moi je suis très fier de ça et j'espère que ça durera encore le plus longtemps possible. C'est vrai que ça redonne un petit peu de fraîcheur à ce stade, tout en gardant évidemment cette façade mythique. Et voilà, et ce COP qui sera, je suppose, toujours au même endroit, là-bas au fond à droite. Et on espère qu'il nous aidera à gagner les matchs. Andere spelers zullen deze competitie ontdekken. Federico Vega is een van de vele nieuwkomers. De Argentijnse verdediger werd opgeleid bij River Plate en brengt een pak ervaring uit de Spaanse tweede klasse mee. Es un club de su ciudad, de su barrio, y que es la que lo apoya siempre, ¿no? Y, no, bueno, comparado con, como decías tú, lo de River, ya los colores son distintos. Pero bueno, yo jugué en Alcorcón y es un campo... Con los mismos colores. Y son, sí, los mismos colores, parecido de su ambiente, de su barrio, de su ciudad. Vengo a hacer todo lo posible para que se dé y nada, y en lo personal tratar de jugar lo mayor posible, hacerlo bien y sabiendo que si yo pienso eso y que al igual que mis compañeros, si lo hacemos bien, todo puede resultar bastante bueno a final de temporada. De ambitie van de nieuwe eigenaar, Tony Bloom, is heel eenvoudig. Promotie naar eerste klasse. Daarvoor werd het budget verhoogd, maar ook de sportieve leiding veranderd. Luca Elsner is de nieuwe trainer. Union is een club in verandering. Afwachten of het Brusselse karakter bewaard zal blijven. Mais c'est vrai qu'ici avec les nouveaux investisseurs, c'est très différent, mais voilà, on sent que derrière il y a plus d'argent et plus de moyens forcément. On est vraiment très très encadré. Et c'est ça qui fait la grosse différence, je crois, par rapport à l'année passée. C'est vraiment ce processus de professionnalisation qui est en train d'être amorcé ici à l'Union Saint-Gilloise. Oui, c'est ça. Petit à petit, ils mettent leurs petites pattes anglaises, je vais dire. Et on sent, c'est vrai, qu'ils sont vraiment derrière nous, que tous les aspects professionnels sont mis en avant. Et c'est ça qu'ils veulent essayer de nous faire sentir. Et je crois que c'est une très bonne chose. Je crois que le niveau vraiment de la D1B est en train de se rapprocher de celle de la D1A. Et c'est vrai que chaque année, il y a de plus en plus de compétitions, de plus en plus de très bons joueurs qui arrivent dans notre championnat. Et effectivement, je crois que ça va être de plus en plus dur.